Ce dimanche, comme chaque 6 décembre, Saint-Nicolas fait son apparition dans la région. Cette année est un peu particulière, mais Saint-Nicolas ne manquera pas à l'appel à Boulogne-sur-Mer. Véritable tradition depuis des années dans le Nord, tout est orchestré pour faire de ce jour un premier moment féerique avant les fêtes de Noël. Mais cette fois, pas de défilé, mais plutôt un drive qui sera installé sur la pointe de l'éperon. Explication. Une vieille tradition. Une tradition qui a débuté dans les années 60, autour de Saint-Nicolas, autour de cet esprit de fête, pour célébrer les jeunes garçons et pour essayer d'amener de la magie, de la féerie autour d'un événement qui perdure d'année en année, qui se bonifie et qui apporte de la joie, de la bonne humeur, mais aussi qui apporte une certaine idée d'un début de saison d'hiver pour amener tous ceux et toutes celles qui rejoignent le cortège de Saint-Nicolas vers le Noël.